Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour un 26e épisode sur Chronocross. Donc on reprend l'aventure là où on l'avait laissé après avoir détruit l'épée Mazamun, ce qui devrait normalement nous permettre d'aller dans la mer morte. J'avais déjà sauvegardé la partie sur l'île, mais bon, on a une sauvegarde ici, on va en profiter. Alors, je me rappelle plus des boutons. Ok, ça, ça accélère. Ok. Alors, Radius, oh, Garai, nous allons utiliser les pouvoirs sacrés d'Highlander. L'épée reflète l'âme de son détenteur, comme je te plains. Tu n'étais pas mauvais pourtant. J'espère seulement qu'un jour, l'épée sera libérée de toute cette haine. Alors là, voilà la mer morte. Quelle vision atroce, un vrai cauchemar. Les vagues sont totalement figées. Et... qu'est-ce cette ombre noire au loin ? L'océan redoutable, la terre condamnée par les dragons divins. El sorprendente, c'est saisissant. Alors, ok, donc en fait, ok, c'est comme si on était sur une carte du monde à pied, mais on est sur la mer. Alors. Ah, c'est bien bizarre ça. Comme si c'était un monde moderne. Alors, on a ramassé une pilule. Comment on va en bas? Ok, on descend par là, à droite. Ah oui, c'est. Ça a l'air d'être un boss. On va attendre avant d'aller là-bas. Alors. Alors, oh, obscurcissement et ensorcellement. Sympa. Dès le début du combat. Allez, chop, chop, chop. Ah oui, à cause de ce qu'il m'a mis dans la tronche. Ça rate son coup à 90%, n'importe quoi. Décidément. ~47%, et mon dieu, c'est une chance sur deux. Bon, voilà comment ça se passe. Je pense un élément, hypergravité 3. Déjà à 3 noirs. Alors, ça fait mal pareil. Qu'est-ce que tu peux lui faire sur soin intensif, hypergravité, flipper son bronze. Ah non, il va toucher. Alors, est-ce qu'on va gagner des statistiques? Oui. Donc, on va essayer de monter des statistiques avant d'aller voir le boss. Bon. Des choses à aller voir par là, en bas. Voilà, la route où vous voulez aller. Ah non, toujours pas.
Bon, cette fois-ci il est tout seul. Voilà, quand on touche dès le début, ça marche mieux. Bon, pas de statistiques hein, pour ce coup-là. Hop, coup. Ok, bon bah ça y est, je donne plus de statistiques. Ah, voilà comment on va sur la route ici. Bon, c'est parfait. Je sais plus si on peut faire des sauvegardes temporaires, je crois pas. Allez, le boss, il me semble que c'est un boss. Oui, ça y ressemble. Alors, ça fait obscurcissement sur tout le monde, mon dieu. Alors, modificateur de champ divisé temporairement par deux les dégâts élémentaires. C'est intéressant. Moi, je vais faire du dégât. Ok, ça lui a pris toute sa jauge. Les attaques normales. Les défenses. Il faut faire élément plus de météorites pour pas que ce soit tout noir. Ça fait pas du bien. Alors, soin de groupe, ce n'est pas nécessaire. Renforcement sur Lynx. Il rate autant ses coups que moi, tant mieux.
Alors, tu es toujours sous obscurcissement. J'ai pas pensé à mettre des antidotes. Faire rayon de lune. Non, on va faire défense. C'est le dernier à être sur... Ah, c'est bon, il n'est plus sous obscurcissement. Ah, bah merde, voilà. Ah, oh, ça a raté. Il y a juste Arl qui a été touché. Bon, avec Arl, je vais faire un sort de soin. Ah, bah non, elle va être KO. Oh, c'est pas passé loin. Heureusement qu'il était en défense. C'est par contre je vais faire empalement juste 87 de défense, une défense aussi comme une fois. Alors, fait salve de lave. On dirait que le boss il est en peine. Hein. À moins que je dise n'importe quoi. Non. ok, vas-y. Attaque normale. Faudra que je fasse un soin de groupe. Vas-y, fais lui des dégâts. Comme ça, je pourrais le soigner. Soin de groupe, il est où? Ah, il est là. Bon, tout le monde est au max, ou presque. Et quand j'étais en obscurcissement, il avait autant de mal à me toucher que moi à le toucher. Donc ça tu l'as déjà fait, surtension. Ah, c'est une machine, ça ça devrait faire des dégâts. Seulement ah, ça a touché tout le monde. Allez, explosion de glace. Boom. 153, ça c'est puissant. C'est chiant ce boss. J'espère que j'ai dépris l'une. Ah, j'ai des pastilles. J'ai encore deux sorts de soins. Ok, bon. Ouais, c'est ça, quand il obscurcit, lui aussi il est obscurci. Donc, si j'avais... rayon de lune. Si j'avais des antidotes, ça aurait été bien. Oh, là c'est bon, il vient de tomber en état faible, donc ça veut dire qu'il reste comme 20% de vie. Allez, une autre plume météorite.
C'est pas grave, ça me touche pas. Alors, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. Vas-y, nouvelle explosion de glace. Boum! 130. Et il est mort. Bon, ça va, c'est pas un boss trop compliqué. Et là, on va gagner notre 25e étoile. Alors, 4 PV, 1 de force, 1 de résist, 16 PV, 1 magie. Puis elle, elle gagne en plus un rang 8 ou un rang 9. 1, 2, 3, un rang 7. Et lui, il gagne tous les deux un rang 3, Lynx et Radius. 12 PV, la résistance, allez hop. Voilà. Soigne bleu vif. Là, on peut avancer dans un monstre. Avec Lynx. Bon, alors. On va chercher ce coffre-là. Ah, ok, je l'ai raté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pingouin? Sur le pingouin, parce que là je peux encore gagner des statistiques. Bye bye, le mécana. Alors là, c'était en ruine côté nord. Une ceinture de quoi? Draconien améliore la puissance d'attaque, le pourcentage d'attaque réussi et la puissance magique. Oh, c'est intéressant ça. Ah oui, je l'ai déjà. La loupe d'argent améliore la route réussite. Le casque en mitrille, ça donne la défense. Donc je peux perdre la défense pour gagner du toucher et de l'attaque. Bah oui. Il fait que toi, je peux te donner le casque en mitrille. Améliore la magie, augmente les PV en combat. Améliore la défense, casque de fer. C'est mieux. Ok. Ah bah oui, je vais faire 64, 72, c'est bon.
Ok. On va descendre. Qu'y a-t-il? Il se passe des tas de choses étranges ici. Le courant fonctionne toujours. Je m'y connais un peu en circuit électrique. Je peux jeter un œil. Voyons voir. Et voilà, l'écran devrait pouvoir nous fournir des informations maintenant. Alors, en 2300, rapport d'investigation sur la lithosphère, rapport numéro 27. Organisme vivant inconnu, confirmé parasitique pour la planète. Résultat de l'étude géologique de la strate en 65 millions avant notre ère, nom de code Lavos. Parce que Lavos, c'est le boss de Chrono Trigger. Année 2300, ce serait donc des ruines du futur. Norris, ne peut-on pas télécharger davantage d'informations sur ce monde? Ah si, juste un instant. Endormi très profondément sous la croûte terrestre, lorsque Lavos se réveillera, cette planète sera... Quoi successo? Qu'est-ce qui s'est passé, Norris? Pourquoi il n'y a plus rien à l'écran? Il n'y a plus de courant, visiblement, nous n'arriverons pas à recueillir plus d'informations. Bon sang, nous étions sur le point d'en apprendre davantage sur ce Lavos. Nous ne pourrons rien en tirer. Plus de plus, continuons. Alors, sandales d'arts martiaux. Ah, trompage le bouton. Ouais, non, c'est pas dans l'objet, c'est dans l'équipement. Sandales. Améliore le pourcentage d'esquive. Et... ça fait que je descende à 40, je suis à 41, ok, plus un pourcentage de défense, balavine, 15% d'esquive, ici je regarde avec, donc, sandales d'arts martiaux, 21% d'esquive, à la place de 9, pour un défense c'est carrément mieux ça. Niveau ça. Alors il y a un coffre ici, anneau d'endurance, des gommages aussi en passant.
Et voilà, il blesse pied. Empoisonnement. Non, pas objet élément. Utiliser antidote. Hop. Parfait. Je vais voir c'est quoi ce monstre là. Sont 4 5 alors glissade ça c'est sur un ennemi seulement. Oh ils ont beaucoup de vie. On a deux de moins. Allez, élément hyper gravité 3. Un sur un. Hop, je sors tous les ennemis. Chat sauvage, allez hop. D'ailleurs, j'ai pas rempli les espaces supplémentaires que j'ai eu. Donc, déjà utilisé antidote. Hop. Éléments assignés. Alors. Niveau 3, bulle d'eau. Puis on peut faire boule de feu plus 2. Même ça serait bien un sort qui touche tout le monde. Voilà, et tu vois, mais ça c'est 5. Moitié moins, je peux le changer ça. Ah oui. Alors toi aussi, tu as un emplacement libre. Tiens, tu peux prendre boule d'eau. Aérodisque, il y a un truc, je sais pas, des sorts de niveau 3 sur tout le monde. Affaiblissement, toujours, soin, soin intensif. Ouais, c'est très bien d'avoir un soin de plus. Voilà, et puis toi, ah, t'as deux emplacements également. Alors, surtension, c'est du 4, décharge. Ah,
tout ce qui est haut niveau, il faut les apprendre. Purification, crash metal. Météor, ça fait mal. Ah, ça c'est niveau 2. Ça c'est du niveau 3. Ok. Par bleu, par jaune, par vert, ouais. Allez, on va faire aérodisque. Hop, voilà. Plus c'est sa couleur, il est. La tour de Guédon. On est sur Alessandro, au cœur de la mer morte. Adaki d'ici qui a dû se propager tout ce chaos. Tous les bâtiments semblent s'être imbriqués les uns dans les autres pour former ce gigantesque enchevêtrement. Mais qu'est-ce qu'il est donc arrivé à cet endroit? Eh bien ceci... on le saura la prochaine fois. Donc merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer, n'hésite pas à mettre un commentaire et à partager la chaîne avec tes amis. Quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.